maman, je vais fermer de voir. D'accord. Est-ce que je peux jouer aux jeux vidéo? T'as fini tes devoirs? Ouais, et en passant, demain j'aimerais inviter Isaac pour qu'on joue ensemble. Après ton examen, ok. Oh, en passant, est-ce que tu peux amener la radio? C'est grand-mère qui est venue la porter hier soir. Ok, je la mets dans le salon. Oh, excuse-moi, Annie, c'était mon fils. Tu disais? Bonjour tout le monde et bienvenue en ce 12 novembre. Nous sommes ici avec Jessica et Natacha qui sont venus des États-Unis pour nous chanter leur chanson en direct. Si je ne me trompe pas, c'est la première fois que vous la chantez depuis que vous êtes mariés, hein? Première fois que vous la chantez live? Ouais, ok, ben on vous écoute. Well, I wish I had some shoes on my two bare feet. Ferme la radio, s'il te plaît, ça me dérange. Alors, on joue à quoi? Je t'avais pas dit que j'avais le nouveau Smash Bros? Sérieux? Ouais, check, y'a plein de nouveaux personnages. Je l'ai eu de mon oncle de France. Oh, trop cool, on peut y jouer? Ouais, si tu veux. Ok, je démarre le jeu. Bonjour tout le monde et bienvenue en ce 19 novembre 2015. Nous sommes ici avec le père d'une des victimes de l'incident qui s'est passé il y a 6 jours à Paris. Non! Monsieur. Ben, vous savez, quand... C'est pas très facile, mais avec le temps, je pense que je vais m'habiller. Cinq ans plus tard, en 2015. Attends, je veux garder du sang. Yo, il est à 7h, on devrait y aller. Attends, on finit la partie. Heureusement qu'on a fini le devoir de maths hier soir. Ouais, le prof va sûrement le corriger. Yo, Isaac, tu me passes ton sac? Ouais. Merci. Qui est fini en 1918, puis avoir brièvement mentionné la guerre d'Espagne qui est finie en 1939. Nous allons maintenant parler de la Deuxième Guerre mondiale qui a commencé en 1939, même année que la fin de la guerre d'Espagne. Et pour tous ceux qui pensent que l'histoire est inutile, je vous apprends tout ça pour ne pas répéter les mêmes erreurs. On ne peut pas voir le futur, mais on peut s'inspirer du passé pour prévenir des désastres. Ok, ben, le GV prédicat est une histoire. Bien sûr, j'imagine que vous savez ça déjà. Le gène sujet à venir. Ce qui nous reste de la phrase, c'est bien sûr le groupe subordonné relatif.
si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. N'oubliez pas de faire votre devoir de page 45 à 52 sur la pression. Et bonne fin de semaine, tout le monde. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche un livre sur la Révolution américaine. Mais yo, faut pas écrire là-dessus, c'est pas original. Tout le monde va comme ça, la Révolution américaine. Faut prendre quelque chose qui a changé les États-Unis et d'actuel. Ouais, t'as raison. Quelque chose à l'actualité, ça devrait marcher. Donald Trump. Donald Trump n'est qu'une blague. Oh, j'ai trouvé. Quoi? On va parler de la légalisation du mariage homosexuel aux États-Unis. Mais c'est full vieux, ça fait au moins 5 ans que c'est légal. Non, ça vient d'être légalisé cet été. Pourquoi tu dis que c'est vieux? Mais je sais pas, là j'ai cru entendre ça aux nouvelles. Tu vois, tu t'en rappelles même peu. T'as raison, je dois me tromper. Bon, on y va? Ouais. Qu'est-ce que tu fais après l'école? Bon, moi je... Bonjour tout le monde et bienvenue au journal de 20h. Je suis Nicolas Pichard et nous venons de recevoir des informations sur qu'est-ce qui se passe présentement en France à Paris. Il y a eu un attentat et nous avons la confirmation. Où est-ce que j'ai entendu ça? Une centaine de morts. La radio, bien sûr. 2015. Le père d'une des victimes d'incident il y a 6 jours, 19 novembre, à Paris. Aux États-Unis, légalisation du mariage homosexuel, légalisation. Jessica et Natacha. Des États-Unis pour nous marier, hein? Marier, hein? Provenus des États-Unis pour Jessica et Natacha. Yo, frérot, tu te rappelles la. Yo, ferme ta gueule! Okay. Laisse-moi tranquille! Allô, maman? Ouais, c'est moi. Tu te rappelles la vieille radio de grand-mère? Celle brisée? Ouais. Tu te rappelles comme ça disait chaque fois la mauvaise date au début du programme? La radio disait tout le temps qu'on était en 2015. Olivier, qu'est-ce que tu racontes encore? Le seul bruit que la radio faisait, c'est un grèchement d'un poste de radio sans signal. Quoi? Mais... Ferme la radio, s'il te plaît, ça me dérange. Bonjour tout le monde et bienvenue en ce 15 décembre 2020, la troisième guerre mondiale se continue entre les États-Unis et la Russie. Trump nous dit que la quatrième bombe sera portée.